Et bonjour tout le monde, c'est Clackamer et aujourd'hui, attendez, je vais baisser juste le son. Et voilà, donc du coup, on se retrouve sur Modern Combat 5, donc sur PC. Donc j'ai commencé hier, franchement, sur PC, c'est trop dur. Bon, il faut que je m'y fasse. Donc le confinement, normalement, ça va aller. Donc c'est sur PC, hein, vous voyez que la souris. Bon, on va continuer la campagne, hein. Moi je suis à l'évasion. Donc au 3. Ah non, c'est pas ça. C'est au temple de Renjiu. Non. Rinoji, ok. Autant pour moi. Moi, on va prendre de l'XP plus une boîte. Et... Ah bon. Donc du coup, là, j'ai une petite M4 des familles. Par contre... Donc voilà toutes les classes hein, que j'avais avant, mais là je retrouve plus mon compte, c'est super. Voilà, on va prendre un Uzi. C'est même pas un mini, c'est un. Il est assez gros le Uzi. Hein. Donc avant j'avais ça. En fait, je me suis arrêté à. Ici. Le petit truc. Non, j'avais ça en fait. Ouais, je l'avais. Oh, c'est dommage. Bah, de toute façon, on le fera peut-être en live. Bah demain. Donc continuer. Donc on va faire le réveil. On va pas faire les opérations spéciales ni le multijoueur. Alors j'ai pu tester. J'ai pas encore testé le multi. J'ai pu tester le Battle Royale. Il est bien, mais c'est chaud. J'ai pour la première game sur PC. Hein, je dis bien. J'ai fini 10e ou 9e, je crois, sur 50. Donc, sans tuer personne. Hein, parce que moi, sur PC, j'ai dû commencer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner en bas et à commenter aussi. Est-ce que la vidéo de... Ah, attendez. Ça commence, du coup, il attrape. Donc là, c'est de ça. Tac. C'est parti. Donc, vous me direz en commentaire, je me débrouille comment sur PC. Je viens de commencer hier, pour info. Ça va, on peut tirer à travers. Alors pour ceux qui se demanderaient, j'ai config les touches à l'avance. Parce que sinon ça serait hyper chaud. C'est pas vrai. J'aurais dû prendre l'autre arme. Parce que j'ai mis un silencieux. Oh là, tac. Oula. Donc il est disponible sur Android, sur iPhone et sur PC du coup. Mais pas sur Mac, je crois pas. Si... Je crois pas qu'il y ait sur Mac. Voilà. Cac. D'accord, S c'est où? Ah d'accord. Ouais, est-ce que... Ouais, c'est moi en fait, je joue avec ZQSD. Pour ceux qui se demanderaient. On peut jouer à la manette en USB, enfin sur PS je parle. En USB. Type 1 par contre. D'accord, une flash. Ah, c'est un guet-apens. Oh. Allez monsieur, passez-moi les menottes. Ah bah je vais me faire tuer.
Oh là, j'ai pas réagi avant. Donc c'est un. Ceci est un guet-apens. Lâche ton arme. Tu l'as, tu l'as. Boum. Donc là, c'est beaucoup d'action avec, avec le pavé. Avec le clavier plutôt, avec le pavé. W. Boum. E. Nickel. Q, 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 Q. Oh là là, c'est chaud. Donc W, c'est parti. Ah, nickel. Merci. Merci pour l'arme. Voilà. Attention. Voilà. Ils sont où? Elles sont là. Tac. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. Donc là pour l'instant je peux pas bouger hein, mon... Donc voilà comme bah vous l'avez vu c'était un guet-apens. Donc du coup bah on a eu bah c'est la fin de la mission. On a eu comme récompense de niveau. On a augmenté de mission. De niveau plutôt. On a eu 5 jetons donc pour améliorer les armes et tout. On a eu une location d'armure Anubis. Je sais pas. Donc on a réussi à protéger Miku. Bah, c'est l'infirmière qui travaillait dans dans ce temple. Réussir, on n'a pas réussi. Et précision d'au moins 60. Voilà. Coffre de bataille. Progression. Super. Après le bourreau, bah forcément. Et puis héros, mission accomplie. D'accord. Donc pour le silencieux, mitraillette, le sabre S2. On est bientôt à la fin. Donc continuez. Donc là, on va faire le prochain niveau. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je tourne à 50 FPS, à 40. Donc voilà, comme vous voyez, je tourne à 55 FPS, 40. Ça tourne assez... Donc je tourne assez bien. Hein. Sur un PC pareil, je doutais. Donc je vais prendre l'autre arme. Mais c'est quoi ça? Ah, citrouille! Ah, nickel ça. Bah donc du coup, là on va... Bah j'ai mis la petite citrouille, elle est... Trop cool. Bon, c'est pas trop Halloween non plus, mais voilà quoi. Au moins j'ai un truc. Donc médaille, on a eu quoi? D'accord, enragé. Donc mission de compagnie à terminer. Ah d'accord. Donc genre c'était genre bah là avec Miku. Voilà. En campagne, on va refaire, mais cette fois avec cette arme-là, parce qu'elle est silencieuse. Donc je prends. Voilà. Avec l'ISP en plus. Ah non, non. Ah non, non, mais je crois que c'est aléatoire en fait. Soit t'as une caisse, soit t'as du bonus, ou soit t'as de l'argent en fait. Ah d'accord. Mais voilà. Donc sauvetage. Donc sinon le live de demain, je le ferai sur ça au pire. Attention. J'utilise le couteau pour E. Tac. Ah d'accord. Couteau c'est E. Ok. Donc notez ma perf sur PC. Hein. Cela moi. Je trouve que je suis. Ah non, réussi à avoir un viseur point rouge. Ça va nous aider ça avec, avec une mire pareille. Ouais. Oh, je lui ai mis une tête. Ah non.
Ah, si. Je mets une tête, une belle tête. Attends, c'est quoi son arme à lui? Quoi? Ah, voilà. Oh! Bah, du coup, nickel. Sans avoir l'arme, bah, j'ai eu un truc. Donc, ça, là, j'ai réussi à avoir deux trucs. Donc, ça va, là, je prends le temps de faire des têtes et tout, est-ce que je suis loin. Je vais pas attendre 10 ans, parce que sinon. Tac, nickel. Flag explosif. Explosif, pardon. Nickel, c'est quoi ça? Ok, c'est nul. Là, je sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Ah, est-ce que je connais le jeu, hein? J'étais niveau 50 dans ma dernière partie. Là, je crois que je peux viser. Ah, même pas. Tire-tête, plus 50 PV. Ah, ça donne 50. Enfin, 50 XP. Ah, c'est bien que je peux viser à travers. Tuer. What? Donc, sinon, j'ai un pistolet comme ça. Ou je vous ferai montrer après mes touches. Parce que comme ça, ceux qui veulent jouer, bah, ils auront. En fait, là, c'est touche facile pour les débutants, hein, franchement. Là, on peut pas faire plus facile. Voilà. Tac. Oh, je l'ai pas vu. What? Il est sérieux, il se relève. Ah, par contre, là, je vais faire attention. Parce que là, je suis pas très bien. Je vais attendre de me régénérer. Ouais, je suis un titan. Pour ceux qui connaissent. Attention. Oh, ah oui, je me rappelle de lui. Boum. Le son, il est un peu fort. Je baisse un petit peu. Qu'en fait, il faut lui tirer dessus. Bon, il est facile là, au début, hein. Attention, en fait, il faut le viser. Ah ouais, mais non, laisse tomber. Shift. Ah d'accord. Il lui a foncé dessus. C'est qui? Tucutura. Tucura. Ok, je me suis trompé. Donc du coup, bourreau. Donc, faire 10 flags. Frag plutôt, ouais, frag. Ouais, on a eu les 5 tire-tête. La précision 50%. Et puis, mission accomplie. On est quoi aussi? Ouais, bah. Réussir 10 2 multiflags, c'est quoi ça? Ah, c'est faire un double clic, je pense. Tuer le bourreau. Oh, ouais, me laisse tomber, je pense qu'il faut avoir un viseur et tout. Bon bah la vidéo va s'arrêter là. Du coup on a eu le petit viseur bah, pour la petite arme. Après on a eu le silencieux pour la mitraillette qu'on a utilisé tout à l'heure. On commence à avoir la poignée. Ouais. Ouais nickel. Je sais pas c'est quoi le MSG 33. Ok bah ouais. Donc là du coup on va... Bah je suis désolé mais... Ah oui, quand même, je suis monté quand même à 100 à 100 FPS. Ça tourne pas, ça tourne bien. Est-ce que là, ouais, je suis sur un i5, i5 V Pro. Pour ceux qui veulent savoir, mais la carte graphique là, je sais pas du tout c'est laquelle. Il faudrait que je vois les paramètres, mais. Ah, c'est peut-être celle-là, non? On a fini le chapitre? Mais non. Mais non, je. Ah, ok, d'accord. ah oui, on l'a terminé. Ouais, bah je ferai les opérations spéciales hors vidéo. Et puis le multi aussi. Parce que le multi, franchement, c'est quand j'aurai terminé tout. J'en ferai quelques-uns pour m'habituer et tout.
Mais franchement, voilà quoi. Encore sur mobile, ouais. J'étais un pro sur mobile, mais là, ce fait, sur mobile, j'avais ça. Bah, j'avais tout débloqué en fait. Ça, le snipe, la mitrailleuse lourde, le chasseur de primes et le sapeur. Ah, on peut essayer la classe? Oh, trop stylé. On va la garder, ok. Ok, oh, c'est bien ça. Oh, mais regardez le prix. Je l'avais parce qu'en fait. Parce qu'en fait, je faisais une offre. Puis du coup, je pense que je l'avais pris. Je crois qu'elle était à 100, à 100 pièces. En fait, j'avais économisé tout. Ouais, j'avais aussi Morph. Morph x1. Non, je l'avais Morph x2, je crois. Ouais. Mais je vous dis, le jeu est trop stylé. Celui-là, j'ai voulu l'avoir parce que pendant un moment, ils font des offres comme ça. Mais j'ai loupé l'offre. Celui-là, je sais pas. Je pense, ouais. Lui, il doit être trop stylé. Je l'ai jamais vu en action. C'est nouveau. Ouais, nickel. Donc, on va prendre l'amélioration. Donc, on en avait plus un PC. Ouais. Donc, du coup, on va mettre. Non. Du coup, on va mettre le petit viseur. Et de mieux comme ça. Sans la vieille mire là. Franchement, moi je le préfère avec un point rouge. Un point rouge. Parce que le truc là au bout. Et puis le gros truc là qui vient là. Enfin la grosse mire là. Aussi on a une nouvelle arme. Nickel. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Mais elle est vraiment lourde. Ah d'accord. UFIA PSD2. On peut l'améliorer, mais je pense pas quoi. Ah, si on a les thunes. Ok, super. Super, donc du coup, là, elle est en pro. Ouais, nickel. On peut encore l'améliorer. J'espère qu'on pourra l'améliorer à fond. Ah, bah ouais, on peut l'améliorer à fond. Nickel. Ah oui, est-ce que dans mon ancienne partie, bah j'étais. J'étais VIP 4, hein. Donc je sais pas du tout comment j'ai fait. Donc on peut pas avoir de trucs, je pense. Non. Non, pas encore. Ouais, donc il faudra que la prochaine vidéo. Ouais, je vais faire une petite série de 15. Ouais, dessus. Donc, du coup, on a tout installé là-dessus. Alors, pour info, je jouerai jamais avec cette arme-là. Parce que moi, c'est comme un fusil sniper. Puis en plus jouer avec une mire pareille alors qu'il n'y a rien. Franchement moi encore je préfère jouer avec cette arme là. Elle est bien, elle est légère. En plus la précision elle est pas mal. Non j'ai pas encore débloqué. Ouais voilà, je suis encore à la moitié. Oh. Ouais est-ce que la précision là, regardez laquelle a la pression. La précision là. Ouais. Mais je n'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Donc voilà. Donc ensuite, mes réglages. Il y aurait. Ah, ça m'énerve là, des pubs. Donc mes réglages. Tac. Commande. Donc, bah, sur. Parce qu'en fait, on peut jouer bah, comme on veut. Ah non, ça c'est pour la. La sensation, genre il y a un truc qu'on est daltonien, enfin pour les daltoniens comme sur Fortnite. Donc je sais plus aussi, mais j'avais vu ça. Interface, donc Battle Royale, il n'y a pas aide à la visée. C'est comme ça. Mode sprint, auto. Maintien Z classique. Ah non, non, vas-y, je préfère en manuel. C'est comme ça, j'appuie sur espace et puis voilà. Pour la souris. Donc mes réglages, donc c'est clic gauche, c'est tiré. Près milieu, en fait, ma souris, hein, on peut la bouger de tous les côtés en fait. On peut la à droite, à gauche, en bas, en haut. Et en fait, moi, à droite et à gauche, c'est pour changer d'arme. Mais là, ils mettent bah, en haut, c'est pour avancer. Donc moi, pour avancer, c'est ZQSD en fait. Le clic droit. C'est visé, bah comme vous l'aurez remarqué. Je pense que c'est comme ça dans tous les jeux. Hein.
Fortnite, CSGO, Space Front Arcov. Après, contrôle de balle, corps à corps. Ah, c'est pour coup de couteau, je crois. Alors, bah, on va passer direct à s'accroupir. Ouais, c'est contrôle. Personnaliser Battle Royale, ouais. Ah, c'est V. Ok, d'accord. Changer de. Gadget. Ok, bah, je pense que c'est les accessoires et tout pour les armes. Ramasser une arme, donc c'est Shift. L Shift. Donc, ah, safe. Ah, d'accord. Donc, reculer, c'est S. Avancer, c'est Z. Se déplacer à gauche, c'est Q. Et puis à droite, c'est. Bah. Après, pour recharger, bah, moi, je ne recharge pas spécifiquement. Il le fait automatiquement. Courir, c'est espace. Donc, comme ça, bah, j'ai trois doigts sur ZQSD, un autre, par exemple, sur contrôle ou sur L Shift. Puis un autre, le pouce sur espace. Puis après, mon autre main, c'est pour la souris, quoi. Le chat libre, bon, ça, c'est pour les. Le comment? Le multijoueur. Voilà. L'afficheur pointeur souris. C'est C. Allez, voir, ok. Pour le score, c'est tab, donc je sais pas où c'est. Après les caméras et tout, c'est pour je crois info des joueurs. Non, je crois on peut pas y toucher à ça. Donc après change d'arme, c'est ça, Christ. Voilà donc ça, ce que je fais là. Voilà. Donc change d'arme, ouais voilà c'est ça. En fait c'est sur la petite molette de ma souris. Je fais en fait tape à la droite ou à gauche comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis voilà. Donc après je crois que c'est bon. Alors, ah oui, pour le drone éclaireur, les grenades et tout, c'est G. De toute façon, c'est marqué à l'écran, donc le service client, voilà, on s'en fout. Donc, je me suis pas connecté donc à Facebook. À propos, bah après, donc audio et FTX, franchement, voilà. Donc, les graphismes, ouais, ils sont au niveau, donc ils sont pas là où ils sont, bah ils sont tout en haut, quoi. Pas y avoir après voilà après effet et tout c'est tout en haut processeur graphique ok oh ouais limiteur IPS je sais pas du tout c'est quoi ah oui niveau de détail élevé comme post effet ouais réflexion l'ombre les sous-titres nickel. Boom, bloom, c'est quoi ça, bloom? Effet extrême, donc je peux pas parce que, ouais. Alors, activer ou désactiver pour divers effets de particules. Activer l'option qui permet d'obtenir de meilleurs graphismes. Non, non. Je vais pas faire ça. Parce que sinon, voilà. Je vais laisser comme c'est. Ma langue, bah, c'est française. Donc si vous voulez... Ah d'accord. Donc je reçois des petites récompenses aussi. D'accord, super. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est Clacio. Donc je suis seulement caporal suppléant. Celui qui veut me rejoindre, bah c'est... Ça sera de toute façon en description. Donc si vous voulez jouer sur mobile, je crois qu'il y est aussi, oui, il y est sur iPhone. Donc téléchargez-le si vous en avez envie. Franchement, voilà, je vous le conseille à max. Donc il y a un Battle Royale mais il est en bêta. Donc la map elle est trop bien. Donc il n'y a que 50 joueurs. Donc c'est pas comme Fortnite, H1Z1, PUBG. Voilà. Aussi je voulais jouer à Warzone. Enfin je voulais faire un live sur Warzone. Mais je sais pas pourquoi sur PC il faut avoir... comment? Ah comment? Modern Warfare, je sais pas comment. Vous avez l'événement, bah comme tout jeu en ligne. Donc après, il faut connaître le jeu, hein, les tournois et tout. Moi, ça fait longtemps que j'y joue. Parce qu'en fait, j'ai été niveau 50, 50 ou 60, non 60. Voilà.
Donc après ça c'est les signatures qu'on peut avoir voilà, donc juste ici. Donc les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, et commenter et à vous abonner. On se retrouve demain pour le petit live. Bye.